Salut, c'est Élise et c'est le moment de la pensée du jour. On est toujours dans cette semaine spéciale musique et à nouveau aujourd'hui, la base de la pensée du jour, ce sera un extrait d'un chant qui s'appelle « Émerveillé ». Ça, c'est vraiment un chant, moi, qui me fait mais tellement de bien. Juste émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il y a de la force, il y a de la beauté dans cette phrase. Ça me fait penser que j'aime bien me prendre la tête, j'aime bien me poser plein de questions, j'aime bien aller au fond des choses, réfléchir. Mais parfois, qu'est-ce que c'est bon juste de souffler un grand coup, de dire « Allez, on arrête de se vriller la tête. » Vraiment, on se pose tranquille et on profite. Je profite de tout ce que Dieu a fait, de cette nature qu'il a créée. Et je me dis « Mais elle est incroyable ta création, Dieu. » Et plus que ça encore, je me dis « Élise, tu te rends compte ? Le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé, celui qui règne sur l'univers entier, il a envie de passer du temps avec toi. Il a envie de prendre une pause et juste de rester là, à côté de toi et de passer du temps ensemble. Ça, c'est vraiment merveilleux. Alors oui, ce chant, il me donne la pêche. Je l'aime parce qu'il me donne à la fois de la douceur et en même temps de la force en disant « N'aie pas peur ». Ne stresse pas. Sois rempli d'espérance. Tu as un Dieu merveilleux, ne l'oublie jamais. Alors je te laisse avec ce chant qui va te rappeler combien ton Dieu est merveilleux et il veut te remplir de joie et d'espérance. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne, il n'y a personne. Joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne.
tu fais de grandes choses, tes œuvres sont